On commence. On y arrive. Il est en train de perdre encore beaucoup de temps sur des détails. Bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, on va créer la première maison de notre environnement de science-fiction. Voilà à quoi il ressemble à présent. J'ai rajouté un peu de décor, j'ai mis beaucoup plus de lumière sur les astéroïdes pour les voir mieux. J'ai commencé la création d'un bâtiment, d'une terrasse ici, que vous pourrez voir au fur et à mesure du développement du projet. Alors une fois de plus, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir l'évolution du projet entre les vidéos. Et sans plus attendre, on commence. Alors on va commencer avec un cube qu'on va agrandir, enfin monter un petit peu. Je vais faire une maison étalée. Alors je vais tout de suite commencer par mettre une texture pour voir ce que je fais. Comme on a que 30 minutes, je ne vais pas mettre tous les détails des textures. Ensuite, on va aller dans UV Editing pour mapper les briques correctement. S pour scale, maravilloso. On retourne dans Modeling. Je vais dupliquer la maison. On va mettre ceci. Donc, je vais faire des colonnes que je vais mettre au coin pour que ça fasse un peu moins cubique. Pour les dupliquer, au lieu d'en faire un nouveau, c'est pour garder la texture que je vais tout de suite remapper et aussi comme ça j'ai directement la bonne hauteur. On va essayer. Non, plus comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça m'a l'air, c'est pas bien. Ici, Shift D pour dupliquer. Ensuite, on va encore dupliquer le bâtiment principal. Je vais le rétrécir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un tout petit peu pour que ça déborde un peu. Là, on va lui mettre une nouvelle texture. Donc, je vais mettre une texture d'ardoise pour faire le toit. On va dans l'UV Editing. On va. Donc, de haut, c'est pas si mal. De côté, c'est absolument horrible. Quand ici, je vais pouvoir sélectionner les faces. Donc, cette face-là, ici, celle-ci et. Ici, on va faire Project from View. Donc de cette façon, ici, vous voyez que la dimension est respectée. Il faut qu'elle soit aussi grande que elle. Ah, c'est un peu bizarre. Je suis en train de perdre encore beaucoup de temps sur des détails. Je crois bien que oui. Ah, ok, c'est ça. C'est trop grand. Oh, on y arrive. Ok, bon. Ça, c'est bon. Et on a perdu. Les amis là-dessus, ok, super. Ah bah en plus on s'en fout un petit peu parce que, voilà, bon, ça c'est le problème évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Je fais extrude. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, que ça allait faire un truc un peu bizarre. Ok. Ça marche pas vraiment avec les devants, mais tant pis, faut se dépêcher. Je vais faire mon sculpting avant de faire mon mapping. C'était assez idiot. Ok, on va dire que ça c'est bon comme ça. Ouh, c'est un truc bizarre, hein, mais bon. On va dire que ça passe à peu près. Et dans le passé, il y a la porte. Donc, on va faire un autre truc ici. Ouais, large aussi, évidemment. Je vais sur le côté comme ça ici. Bon, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, je vais d'abord finir mon modeling. Donc, on va faire pour extrude, S pour rétrécir, pour extrude, on recule la porte, et voilà, on a un super beau cadre de porte. Donc, on va mettre la dernière texture que j'ai récupérée. Et voilà, la toute beauté, et on retourne dans les UV Editing. Ouais, c'est bon ça. Allez, ok. Ok, donc on va dire que ça c'est à peu près bon. Ok, parfait. 15 minutes, c'est pas si mal. Conscience, on va aussi faire. Vite. Ici, un peu c'est 15 minutes. Ok. Non, mais ensuite on était à l'intérieur, ici. Super. Bon, on voudrait une poignée. Ah, notre porte. Alors, quel type de poignée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
On va rajouter un cercle. Non, pas un cercle du tout. Pas un cercle, une sphère. Peu n'importe. Donc ici on va rajouter un nouveau matériau. Les matériaux peuvent être rajoutés ici ou dans Shading. Donc je vais augmenter le métallique pour que ça reflète et je vais le mettre plus sombre. On voit les métal, peut-être mettre même un peu cuivre comme ça, c'est bien. Non, métal, et voilà, merveilleux. Donc ok, mon lunette, qu'est-ce qu'il restait à faire? Des fenêtres éventuellement et des accessoires pour la lumière. Donc on va essayer de se faire des fenêtres un peu originales peut-être. C'est pas ça que je veux faire!
Et Render. Damn it, j'ai pas calibré la bonne caméra. Parle-moi d'un anti-climax, toi. Bon. Je trouve le rendu quand même très sympathique. Pour le temps qu'on a mis, bon, effectivement, c'est sûr que la maison manque singulièrement de profondeur, ça se voit que c'est des textures planes, mais ça c'est modifiable après, je vais pouvoir retravailler pour mettre de la profondeur avec les autres informations des textures et peut-être avec un petit peu de sculpting et de modeling. Sinon, pour un 30 minutes, je suis quand même content. C'est sûr que la maison a l'air d'être au-dessus du précipice, d'ailleurs. C'est clairement le cas. Donc voilà pour le troisième épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez du projet en général. Donc je ne sais pas encore avec exactitude ce que je vais faire pour les épisodes futurs. Mais je sais que le prochain sera malade. Donc rendez-vous samedi prochain. Et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à mon Instagram. Abonnez-vous sur Facebook si vous l'avez encore. Ciao !